c'est Saïdouzi. Mangom, assez nonchalant quand même. Ici, il faut avoir un jeu un peu musclé, avec beaucoup plus de tonus. Et quand c'est nonchalant, c'est pas bon. Pas dans un salon, mais véritablement sur un terrain de football où il faut du rythme, puisque tout doit aller vite. Et le dégagement de Sarr, la tête gambienne, Bodian pour la réception. Il sert son coéquipier, Bodian encore. Bodian, le capitaine gambien, qui s'est retrouvé à gauche. Attention, une belle introduction. Une... Oh là là, il a voulu se la jouer en solo. Ça n'a pas bien fonctionné. Pourtant, c'était pas mal ce qu'il avait tenté. Mais la finition n'a pas suivi. Le dégagement de Sarr encore. Sarr qui dégage loin devant. Une tête gambienne pour la réception. Et oui, justement, avec Mohamed Mandjang. Bodian. Face à Sissoko qui va laisser le ballon sortir. Et Sarr qui va relancer la partie, Abderrahman. Abderrahman qui joue pour Ba Mohamed. Mohamed Ba. Ah oui. Bodian. Bodian. Bonne défense. Oui, dans l'entrejeu quand même, il y a des duels assez intéressants. Ça n'a pas suivi. Ganissov qui n'a pas su réceptionner cette balle. La touche gambienne. Adama Bodian. Moussa. Mohamed plutôt Sissoko. Ouais. Dégagement raté. La réception. On joue dans la moitié de terrain de Mauritanien depuis un certain temps. Et là, Wad qui va essayer d'aller tout seul. C'est bien fait. Voilà, il y a la faute obtenue par Cheikh Diaw. Cheikh Diaw qui a obtenu cette faute, cette balle arrêtée. Et les Mauritaniens qui vont chercher quand même à exploiter cette balle arrêtée. Et au même moment, Keba Sonko qui va installer son mur, le positionner en fonction, puisque on le sait très bien, ces balles arrêtées parfois, quand c'est bien exploité, ça peut faire mouche. Attention, on se prépare à tirer à l'exécution. Là, on aperçoit Cheikh Diaw. Ah oui, c'est parti. C'est lui, Cheikh Diaw qui tire. Oh là là, il a failli surprendre Sonko. Et ce dernier était bien sur ses jambes. Et il a pu boxer le cuir. Keba Sonko pour relancer la partie. La Gambie qui mène par 1-0 ici au stade Ladjor. C'est parti ici, voilà. Et la sortie de Sarr pour relancer la partie. Sarr, le dégagement complètement raté aujourd'hui. On ne comprend pas ce qui se passe côté mauritanien. On a du mal à ajuster ses passes. Et à ce manque de rigueur qui peut être sanctionné lourdement. Ce manque d'efficacité également en attaque. Attention dans l'entrejeu. On joue sur ce côté. Kalansou qui était venu. Et Wade là, qui a récupéré mais qui a commis la faute. Ouais, sur cette action.
Gavi, ça aide Gavi. Allez, c'est parti. La tête mauritanienne et Abdelrahman Sar sans problème se saisit du cuir pour relancer, temporise pour voir un coéquipier bien démarqué. Il ne trouve pas, c'est plutôt une tête et un renvoi défensif. Là, c'est une belle introduction, mais Sar a anticipé. C'est ça qu'il faut avoir, il faut avoir une bonne lecture de jeu. Mohamed Sissoko, Gomme qui commet la faute. Ah oui, un avertissement verbal, il faudrait qu'il fasse attention. Il en a commis des fautes quand même, Morgan. Et qui a le jeu, on le disait, assez nonchalant. Il a un bon gabarit, mais qu'il n'exploite pas bien. C'est parti. Ouais, ça a été mal exploité. Côté gambien, Moudou Kanté. Ah oui, c'est Gani Sow qui va sceller sa place au numéro 8. Abdelrahman Soumaré. Entrée du numéro 8, Abdelrahman Soumaré. Player in number 9. Number 8, Abdelrahman Soumaré. Eh oui, pas difficile à voir. C'est le 9 qui sort, qui cède sa place au numéro 8. Attention, c'est bien fait. L'enchaînement et la sortie de Sar, sollicité quand même depuis le début de cette deuxième mi-temps. Le portier mauritanien assez sollicité. Et c'est Mauritanien qui cherche à égaliser. Au moment où les Gambiens profitent de ces actions, de part et d'autre, il y a des contre-offensives. Mais ils ont du mal à bien servir les attaquants. Tout se passe pratiquement dans l'entrejeu. Et devant, les attaquants ne sont pas bien servis, ils sont sevrés de balles. Keba, qui va prendre tout son temps avant de dégager. Loin devant, la tête, attention, c'est bien. Et l'enchaînement, la sortie, oui, il a suivi. Ça, c'est ça, c'est bien ce qu'il fait. Il faut bien suivre le jeu. Oui, bien joué de la part de Gomme. Abdoulaye Moussa. La Gambie qui récupère sur ce côté gauche avec Bodian. Bodian le contrôle. Le contrôle du capitaine gambien qui joue ici avec son coéquipier. Mais la balle est vite récupérée. On va changer peut-être de côté. Oui, avec Gomme qui est là. Oui, c'est bien fait cette fois-ci. Il a réussi, c'est bien millimétré. La passe. On est dans la surface de réparation. Attention, c'est parti. Ah oui, en deux temps, Sonko a pu sauver les meubles. Puisque Wade était là. Wade était là, l'attaquant mauritanien. Youssouf Wade. Attention. Il réclame la faute. C'est bien fait. Oh là là. Je disais, il faut prendre le temps de bien photographier les buts avant de tirer. Quand on réceptionne, on enchaîne la frappe comme tout à l'heure. Bien servi, c'était en tout cas une passe bien millimétrée et il a tiré n'importe comment, alors qu'il pouvait même soit faire le contrôle, effacer son vis-à-vis et peut-être servir un coéquipier bien démarqué. Il a voulu enchaîner, oui, c'est bien, mais quand on enchaîne également, il faut avoir les yeux ouverts. Attention. Oui, c'est bien. Et là, Issa Mbarek à la réception, il a récupéré, il s'est défait de son vis-à-vis, mais oui, il va obtenir un coup franc. Normalement, le joueur devrait être averti, parce que quand on se sert de la main,
Oui. C'est Cissé. Ah oui, là, il devrait être sanctionné. C'est une obstruction. Mais là, il s'est servi de la main. Mais parfois, les arbitres sont cléments ici quand il s'agit de la petite catégorie. Ah oui, on va suivre. Ah oui, c'est l'avertissement. On le disait. C'est bien Cissé qui est averti. Sanan Cissé, il voit jaune. Ça peut compter, hein. En tout cas, il faut faire attention. Ces cartons reçus, ça et là. En Bissau-Guinée, le capitaine Patrick, un excellent joueur, a vu rouge parce qu'il avait commis deux fautes. Deux jaunes, l'équivalent, c'est le rouge. Oh, la tête manquée. Ça ne passe pas. C'est pas fini. Là, cette fois-ci, ils vont tenir la touche. Le capitaine Mohamed Sissoko qui fait signe à ses coéquipiers de se repositionner rapidement. Ah oui, il joue ce rôle de relais de l'entraîneur qui a bien secoué ses poulets pendant la pause. Parce qu'ils ont envie quand même d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Tant le football en Mauritanie est en train de connaître son essor. Attention, Bodian, il n'a pas su réceptionner. Oui, je disais, Bodian, oui, oui, sur cette action, il n'a pas su réceptionner. Je disais que le football mauritanien connaît son essor et se développe progressivement. Ce n'est pas un hasard si le président de la fédération a voulu se présenter à la présence de la CAN, la CAF, autant pour moi, Ahmed Yahia, le président de cette fédération mauritanienne de football, qui est là, qui va se présenter, voilà, tout comme Maître Augustin Senghor du Sénégal, Motsepe de l'Afrique du Sud, et bien sûr, l'Ivoirien, Jacques Amina, le sérieux candidat pour succéder à Ahmad Ahmad. En tout cas, ce ne sera pas aisé puisque tous ont de l'ambition. Mais côté sénégalais, le président Augustin Senghor bat campagne. Récemment, il a animé une conférence de presse au Cameroun où il se trouve en cette période de CHAN. C'est bien. Et oui, là, il y avait la faute. La faute sur le joueur gambien à Modou Kanté. Et les secours sont là. Deux joueurs qui se sont retrouvés au sol, Modou Kanté et Mohamed Mandjan. Mandjan s'est relevé. Idem pour l'autre qui s'était également, voilà, trouvé au sol. Les voici tous deux, Modou Kanté et Mohamed Mandjan. Et là, on le disait, ils sont là, pas mal de techniciens pour prendre note afin de suivre. On les a aperçus, hein. Là, c'était bien sûr à la Sandour, ancien Lyon de 2002, Banda El Hadj Diouf, Tony Silva, Aliou Cissé et autres, et qui pour l'essentiel sont là pour voir et dénicher de jeunes talents. Parfois ils travaillent avec des clubs et c'est bien, c'est tout bénéf pour le football africain qui à chaque fois envoie ses meilleurs prodiges à l'Hexagone. Attention, Wad qui s'est défait de son vis-à-vis et qui joue devant. La passe est bien faite avec le capitaine mauritanien Omar Ngom qui réceptionne. Et là, ça joue le centre enchaîné. La tête gambienne. Le danger n'est pas encore écarté à 100% puisque les Mauritaniens ont réceptionné cette balle. Ils vont encore remettre. Oui, le même système va être refait. Une autre tentative. Le centre s'est fait. Attention, ça file. Et là, c'était trop risqué. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il va faire? Le tir lointain, ça ne passera pas.
1 contre 3. Est-ce qu'il a des chances de s'en sortir? On verra bien. C'est le nouvel entrant. Oui. Modou Mahon. Qui temporise. Qui cherche du soutien, mais il obtient finalement la faute. C'est intelligent ce qu'il a fait. En l'absence de soutien, il a conservé le cuir jusqu'à obtenir cette balle arrêtée. Oui, on revoit sur cette action la faute commise sur lui. Et oui, là, une autre tentative, puisque ces Gambiens ont su exploiter une balle arrêtée pour faire chuter le verrou mauritanien. On le disait bien, il est difficile parfois de revenir au score quand il s'agit d'un but à zéro. C'est parti, oh là, au-dessus complètement. Abdoulaye Baldé. Le voici. Jeune à bien surveiller. Ils ont de l'avenir. On a dépassé l'heure de jeu et la Gambie mène toujours par 1 but à 0 ici au stade de la Dior de Thiès. Bonjan, Bonjan la récupération et c'est Cheikh Diaw, le défenseur Mohamed Sissoko. Et là, Cissé, le dégagement complètement en touche pour enrayer le danger, bien sûr. Ça joue avec Ouad qui va. Oh là là. Ils ont du mal même à effectuer leur touche. Parfois, c'est l'envie de faire mieux pour pousser à l'irréparable. Mais voilà pourquoi il est important de rester posé, calme et y aller tout doucement. On le disait bien, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Idem pour le football. Il faut y aller tout doucement, mollo, mollo. Et au bout du compte, on sera récompensé. Attention, attention. Attention, depuis un certain temps, on joue dans cette moitié de terrain. Ça sent l'égalisation. Attention. Oui, les Mauritaniens en veulent. Il y a un relâchement côté gambien. D'où l'intérêt pour l'entraîneur de parler à ses poulains. Parfois, c'est dans ces moments que l'on est surpris, puisque l'égalisation ne serait pas bonne pour les Gambiens. Ils veulent avoir la victoire et rester encore, garder leur chance d'aller le plus loin possible, puisque là, on prépare un changement côté mauritanien. Et c'est l'entraîneur Oumandiaye qui parle à son poulain. C'est bien sûr Amadou Ba, numéro 20, qui s'apprête à effectuer son entrée. Il reçoit les consignes afin d'apporter du 109 et de permettre aux autres d'être beaucoup plus efficaces. Sur ce côté droit, la récupération Cissé, Sana Cissé. Et oui, avec Modou Maron. On joue derrière pour repartir. Le marquage est serré. Les Mauritaniens sont là. Ils parviennent cette fois-ci à récupérer pratiquement toutes ces balles issues d'une construction gambienne. Allez, on va jouer. Voilà, c'est bien fait. Bodian qui est venu sur ce côté droit. Voilà, c'était pas bon. Bien joué, attention, avec Baldé, le centre, la tête. Et le portier qui est là pour réceptionner et dégager. Il n'y a pas de temps à perdre. Ils sont en mission, mission commando, puisque mener, c'est aller jusqu'au bout, ne rien lâcher. C'est bien. Attention, oh là là, il va obtenir la faute. Parfois, c'est ça, casser le rythme. Ce qu'il faut faire. Et en ce moment, ils vont en profiter pour faire un changement. Et oui,
C'est le numéro 14, Abdoulaye Moussa, qui va céder sa place au numéro 20, Amadou Ba. Et oui, changement. Ah oui, les Gambiens vont cette fois-ci encore prendre tout leur temps dans l'action de tout à l'heure. Oui. Bougnan. Et la touche qui va être exécutée par Jim Dieng. La tête de Bougnan. Il fallait laisser la balle sortir tout simplement. Oumar Ngom a préféré récupérer. C'est parti. Le voici Mohamed Sissoko qui renvoie de la tête. Ça joue bien avec Seydou Sy. Il dégage à droite. Et Sylla qui va récupérer, servir à son portier. Non, il a commis ce qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'il a plutôt servi son vis-à-vis. Qui lui non plus n'a pas su exploiter ce service gratuit. N'a pas su en profiter. C'est ce qu'on dit. Le manque de lucidité parfois empêche de bien progresser. On fait des failles inutiles. Mangom, qui a du potentiel mais qui ne l'exploite pas du tout. Il a un bon gabarit, un bon physique qui est là, mais c'est dommage. Apparemment, on sent qu'il a les jambes lourdes. Et au tout début du match, c'est lui pourtant qui semblait être le dépositaire du jeu mauritanien. Mais là, depuis un certain temps, il déçoit. On va voir, c'est lui encore qui prend ses balles arrêtées. Il ne les a pas réussi en tout cas. Il va encore se préposer à les tirer, oui. Mais puisque c'est un jour sans, faudrait-il le laisser tirer encore? On va suivre cette fois-ci. Peut-être que ce sera la bonne. Ah. C'est dommage. Il ne sait plus quoi faire. Attention Mohamed. Et la sortie du gardien, l'anticipation. Mohamed Sissoko. Mohamed Sissoko. Il va tirer loin devant, chercher un coéquipier et ce sera la touche. Ils ont eu pas mal de pertes de balles, ces Mauritaniens, on l'a dit, on ne cessera jamais de le dire. Ah oui, Abdoulaye Balde qui va céder sa place au numéro 11, Lamine Sylla. Lamine Sylla. Il va prendre la place du numéro 7. Entrée numéro 11, Lamine Sylla. Player in number 11, Lamine Sylla. Ah oui. Les Gambiens également qui apportent du 109 pour véritablement chercher d'abord à préserver ce résultat, mais également à corser l'addition si toutefois l'occasion se présente. Wade était là, il serait. On n'a pas su. Le voici, Mangom. Mangom qui s'est quand même beaucoup donné. Même si parfois les passes ne sont pas bien ajustées. Mais il bouge beaucoup, très présent. Et pendant ce temps, Bougnan qui fait signe à ses coéquipiers, aux gardiens de changer de côté. C'est parti, attention à la récupération. Oui, c'est possible, c'est possible. Oh là là, il ne s'est pas concentré. Il ne s'est pas du tout concentré. C'est pas fini. Ah oui. Avec Modou Marong. Marong face à deux joueurs. Marong va chercher la touche de corner. Là, c'est plutôt une perte de balle.
va obtenir la touche quand même. L'arbitre qui fait signe d'être à la position indiquée. Bojan, Marron. Voilà. Décidément, il y a un manque de concentration. Longue enjambé, c'est bien ce qu'il fait. Oh là là, oh là là, ouh, waouh, c'est du 109. Il vient d'arriver. Amadou Ba, il peut se le permettre. C'est déjà bon signe. Quand on entre, c'est pour tout donner et justifier le pourquoi on a pris la place de l'autre. Il ne reste pas beaucoup. Il aura besoin de son énergie pour la suite. C'est bien d'accélérer. Mais il faut le faire intelligemment également. Allez. La touche gambienne. La réception n'est pas bonne. Et là, c'est Ba Mohamed qui s'en occupe. Bien joué. Bien joué. Une belle introduction. Attention, ça, un contre un. Ça ne passera pas, Marron. Moudou Marron stoppé de justesse puisque Mohamed Sissoko, le capitaine de cette formation montagnienne, est bien en place. Depuis le début du match, il est très présent, omniprésent. Il a su tenir son rang de capitaine. Et à chaque fois, il n'hésite pas à repositionner ses coéquipiers. C'est bien. Il joue en deux temps, le centre. Et lui, c'est encore lui, le capitaine, Mohamed Sissoko. Ils ont été surpris avant de concéder ce but à la 22e minute. Mais ils n'ont pas été mal derrière. Ils ont su mettre un mur quand même pour enrayer les différentes tentatives gambiennes. Et Bojan qui se plaint, capitaine gambien. C'est là la récupération pour Mohamed Sissoko. Sissoko sur ce côté droit. Oui, c'est ce qu'on disait depuis le début. Ils ont du mal véritablement à ajuster leur passe. C'est bien fait. Oh là là, c'est un peu trop. Ouais, il a trop poussé. Il fallait cramponner. Et cela aurait permis de récupérer rapidement. Ça, c'est dans la précipitation. En ce moment précis, il reste un quart d'heure. Il faut savoir gérer. Attention, c'est bien vu. C'est le nouvel entrant, bien vu. Il est frais, il ne passera pas. Mohamed Ba est là. Plutôt Mohamed, oui, c'est bien vu. Mohamed Ba, c'est bien fait. Changement de côté complètement avec Wad. Non, pas Wad plutôt. C'est Chardiao. Et oui, le renvoi. Depuis un certain temps, on ne voit pas Keba Sonko, le portier gambien, qui passe en tout cas le temps tranquille. Il devient même un spectateur. Il n'est pas du tout inquiété, le portier gambien. Au moment où Abdelrahman Sarr a su enrayer. Et oui, le changement à côté mauritanien, Issa Marek qui sert de sa place. Issa Marek, entrée du numéro 19, Hamidou Diarra, player in number 19, Hamidou Diarra. Ouais, Hamidou Diarra numéro 19 qui prend la place de Marek. Viens.
La touche concédée par Modou Maron. Apparemment, la messe semble être dite. On verrait difficilement cette équipe mauritanienne remettre les pendules à l'heure. On joue depuis un certain temps dans la moitié de terrain de cette formation. Et je le disais, le portier gambien Keba Sonko est là comme un spectateur parce qu'il ne voit pas ces Mauritaniens arriver. Tout se passe dans leur moitié de terrain. Attention, il faut suivre cette action. Il peut rattraper la balle et il obtient le corner quand même. Ah non, sorti. Il semble que c'est un corner. Il semble que c'est un corner. Il fait signe qu'il s'est fait mal. L'arbitre verra. Là, il échange avec son assistant. Il y a de quoi. Ils vont vérifier. Ah oui, c'est le rouge, parce que l'assistant lui a dit il n'y a pas de VAR, mais l'assistant a vu quand même l'occasion. Oh là là, oui, il a touché, dernier rempart. Eh oui, le comportement, eh oui, décidément, ça, c'est pas bien. Oui, c'est la tension, il n'a pas su quand même... Il n'a pas su garder son sang-froid. C'est véritablement dommage. Le capitaine mauritanien qui va laisser ses coéquipiers, tout comme le capitaine de la Guinée-Bissau, Patrick, après un match époustouflant, il a quitté ses coéquipiers. Et lui également, Mohamed Sissoko, qui s'en va. Et il a cédé le brassard à Mohamed Ba, le voici, qui sert son portier. Le Mauritanien réduit à 10. Attention, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, ils commettent la faute pratiquement. Et l'arbitre signale le corner. Attention, c'est qui est bizarre. On s'attendait à une sortie de balle. Parce que sortie de but complètement, un corner sifflé. Pendant ce temps, le joueur gambien se plaint. Mais bon, plus de peur que de mal, il s'est vite relevé. En l'occurrence, Modou Kanté. Ah oui, mesdames, messieurs, aujourd'hui, c'est véritablement une journée foot sur les antennes de la RTS. Dans un instant, il y aura la finale. La finale du Chad entre le Mali et le Maroc. On rappelle que la Guinée a battu le Cameroun 2-0 et la Guinée a remporté la médaille de bronze. Les Camerounais ont organisé, ils ont perdu, ils auraient pu se consoler. Mais c'est tout bien, c'est tout bénéf, c'est bien pour l'Afrique de l'Ouest. On espère que le Mali va gagner également. Et ce sera véritablement un plus pour le football ici en Afrique de l'Ouest. C'est bien. La Guinée, on le rappelle bien, avait éliminé le Sénégal lors des éliminatoires du Chad. Et c'est cette même formation guinéenne qui allait se positionner troisième. Ça, c'est bien, c'est pas mal. Parce qu'on disait avant, si la Guinée l'avait remporté, peut-être on aurait dit à Tchel, c'est l'équipe victorieuse qui a éliminé le Sénégal. Mais la troisième place, ce n'est pas mauvais. Et on ne va pas cracher dessus. Les Guinéens, félicitations. Ici, la Gambie prend le dessus. Et va se relancer dans cette course au titre ici, cette compétition très intéressante avec des jeunes
de U17, moins de 17 ans, qui produisent quand même du beau jeu depuis vendredi, jour de démarrage de ce tournoi qualificatif en direction du Maroc. Donc tout un programme que vous pouvez suivre sur la RTS à partir de 19h, bien sûr, la finale du CHAN, Mali-Maroc. Et les éditions seront là, 20h et 19h, juste après la finale, bien sûr. La télévision des grands moments, c'est pourquoi tout est mis dans la continuité. Le journal télévisé qui connaîtra quand même un léger... Ce sera du direct, mais ça va connaître un différé. C'est-à-dire, après la finale du CHAN, c'est important. La grande édition du soir, oui, il y a la faute, bien sûr. Attention, il ne faut pas céder, puisqu'ils jouent à 10. Il faut qu'ils essayent de tenir. Ce n'est pas facile. Menés au score, ils tiennent encore. Ballon pour Oumar Gom. Oumar Gom, ouais, qui sert son coéquipier Oumar Gom. Oumar Gom face à deux joueurs. Est-ce qu'il va faire le centre quand même? Il a réussi. C'est bien ce qu'il vient de faire, mais bon, il n'a pas su trouver un coéquipier. C'est bien de jouer des deux pieds, puisque son pied fort, c'est le pied droit. Et il a réussi à faire le centre avec le pied gauche. Là, apparemment, il est complètement émoussé. Oh, il y a des signes de fatigue. Il y a de quoi. Quand on joue dans l'entrejeu du terrain, on court énormément, on récupère beaucoup de balles. Et à chaque fois, ces duels nous font dépenser énormément d'énergie. Ça se comprend. Et oui, lui, il gagne du temps. Marong qui a cherché à sauver la touche, mais malheureusement, c'était peine perdue. Ça joue bien côté mauritanien, à une passe. C'est bien. Il est bien de changer de côté. Ouais, voilà. C'est le nouvel entrant. La passe, le contrôle, c'est bien. Voilà. Là. Modou Kanté a récupéré et le dégagement. La tête. Ouais, le jeu a perdu en intensité. Il n'y a plus le rythme qui était là. C'est vrai que de part et d'autre, apparemment, il n'y a plus d'ambition pour la Gambie. Le but marqué peut-être suffit pour la Mauritanie. On n'a plus les jambes pour y aller. Il est difficile de chercher à égaliser. Les Gambiens font un marquage serré, un bloc bas qui ne permet pas du tout d'effectuer des contre-offensives. Attention, ce sera la touche pour les Gambiens. Et là, on assiste pratiquement à un match d'entraînement. Il n'y a pas d'enjeu, si l'on comprend, si on dit enjeu, c'est-à-dire l'envie de doubler la mise ou d'égaliser. C'est comme à l'entraînement. Oui, tout se passe pratiquement dans l'entrejeu. Mais les attaquants ne sont pas du tout gâtés. Ils ne reçoivent pas de balles de part et d'autre. Ah oui. Ça joue complètement à gauche pour Bodian. Bodian. Ça c'est parti avec Marong. Marong face à deux joueurs. Il perd. Ça ne passera pas. Cheikh Diaw est là. Cheikh Diaw pour Oumar Gom. Cheikh Diaw. Gom. C'est bien. Il faut changer de côté. Non, là c'est la fatigue, on n'a plus de souffle, attention c'est parti, Bodian le centre, il n'a pas su trouver Marong, il n'a pas ajusté, ça joue sur son côté avec Wade, Youssouf Wade qui ne passera pas, Modou Kanté est bien en place, l'arrière gauche, c'est formation gambienne.
Kanté qui est plutôt en défense centrale. Moudou Kanté. Et la touche qui va être exécutée rapidement. Nous sommes à moins de 3 minutes de la fin du temps réglementaire. 1 pour la Gambie, 0 pour la Moutarde. Attention, attention, il n'y a pas eu de communication avec le portier. Et bah, Mohamed a failli causer l'irréparable. Attention, Mangom qui va servir son équipier de centre. Oui, Ouad, attention. Oh là là, la défense a pu écarter le danger. Ce n'est pas fini. Il faut repartir, Mohamed Ba. Et oui, Dim Dieng, le dégagement de Modou Kassama. Le mur gambien. La tour de contrôle. Et Wad qui fait. Ah oui. Il y a un changement. Côté gambien, Selou Diallo. Mohamed Moulenga. Substitution for Gambia. Player out number 12. Mohamed Moulenga. Entrée numéro 10. Selou Diallo. Ouais, Mohamed Mandjan qui. Attention, c'est allé vite. Ça nous a même surpris. La Gambie. Eh oui. Inscrit par le numéro 7. Le deuxième but gambien qui nous a même surpris au moment où on parlait du changement, ça a été très vite, rapidement joué. Par le numéro 17. Et le but gambien. Marqué par Modou Marron à une minute de la fin du temps, moins d'une minute de la fin du temps réglementaire. On avait vu son envie. Donc la Gambie 2. Et là, on revoit l'action. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr, Marron. C'est bien fait. Temps additionnel, 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel ici au stade La Dior. Là, la messe est dite, c'est le but du break, 2-0. On va même dire le but du chaos, puisque en ce moment précis, il est difficile, on ne dira pas impossible, parce que on ne sait jamais. Attention, le nouvel entrant, c'est bien fait. Quelle passe, Elos. Oh là là. Oh là là. Il avait tenté l'extérieur, ça n'a pas donné. Quelle passe! Oh là là, une majestueuse passe du nouvel entrant, Selou Diallo. Ah oui, passe lumineuse, millimétrée, mais n'a pas su exploiter. Il aurait inscrit un doublé. C'est numéro 17, Modou Marron, qui est entré à la place du buteur Bakary Diatta. C'est lui qui est entré à la place du buteur Bakary Diatta. Et c'est lui-même qui inscrit ce but, ce deuxième but. Et il a même failli doubler la mise pour faire le doublé. Ce qui aurait permis à la Gambie d'avoir 3 buts. On le disait, ils ont mal débuté. Mais là, ils sont vite revenus dans la compétition, ces Gambiens. Il faut faire attention à ces équipes qui font un faux pas dès l'entame. Parfois, quand elles se réveillent, elles font la différence. En tout cas, la Gambie est en train de faire bonne figure face à une équipe mauritanienne qui a eu un jeu pas tout à fait éclairé. Mais également, c'est le début pour la Mauritanie. Peut-être face au Sénégal, ces Mourabou Thioune vont faire l'essentiel. Et là, c'est la fin de ce match qui finalement est devenu agréable ici au stade La Dior.
Nous sommes à quelques minutes du coup d'envoi de la finale du CHAN qui se joue au Cameroun. Nous n'allons pas trop garder l'antenne parce que véritablement ça va se passer certes au Cameroun mais sur la RTS également. Ne